Bienvenue chez Automobile de l'Est. Aujourd'hui, je vous présente la dernière arrivée, une magnifique Fiesta MK7 182 chevaux, un modèle de 2014 qui a 65 000 km. On va faire un petit tour d'abord esthétique de la voiture. On va checker les pneus et les freins. Après, on va faire un petit tour des options à l'intérieur parce qu'elle est très très bien équipée. Et on va voir aussi justement tout ce qui est état des sièges, tableau de bord et ainsi de suite. Donc on va commencer par tout ce qui est esthétique extérieure. Donc c'est bien une 182 chevaux ST pack perf. La couleur est juste splendide. C'est la première qu'on a de cette teinte-là, je crois. Elle est vraiment très belle. Alors 65 000 km, c'est un modèle de 2014. Elle a déjà vu un peu de route. Forcément, bon, ça c'est de la saleté. On a des petites traces d'impact sur le pare-choc. Sur le nez, voilà, on a ce genre de choses. Je vous mets le doigt à côté, ça vous donne une idée de l'échelle. Ça, c'est l'impact le plus violent sur le capot. Surtout sur des couleurs comme ça pardonne rarement. C'est juste de la saleté. Donc, le nez est plutôt propre pour l'âge de la voiture. On va faire le profil. Je vois pas de coup de porte. Je regarde en même temps. Autant il n'y a pas de coup de porte. Bon, celle-là, ça sort au lustrage. Ça va s'atténuer au lustrage, mais ça se verra encore un petit peu parce que je pense qu'on est. Si j'avais fait une mise au point. Bien entendu que non aussi. Voilà. Alors il n'y a pas de bosse, je le sens touché. Par contre. Peut-être un petit manque de peinture. Poussière. Là, pareil, c'est de la saleté. Donc c'est un phase 1. On peut le voir au feu à l'arrière notamment. Le défaut de toutes les Fiesta. Le pare-choc arrière abîmé en bas à gauche. De toute façon, si vous n'avez pas de traces dans la peinture en bas à gauche, c'est qu'elle a déjà été repeinte. Hein. Parce qu'elles l'ont toutes, 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 c'est un truc de dingue. Donc là, c'est plutôt léger, mais il y a quand même un défaut. Sur le reste, la face arrière, elle est propre. On va faire le profil côté conducteur. Ah, si, là je vois une petite bosse juste là, celle-là, là, voilà. Hop. Ça, on peut peut-être sortir avec le matos de son débosselage, de son débosselage, de matos de débosselage, juste avant sans peinture. On verra ça, du moins l'atténuer. Sinon, je vois rien d'autre de spécial là. Pavillon qui est plutôt propre. Surtout en général, juste au-dessus du pare-brise, c'est là qu'on mange du caillou sur l'autoroute. Ça fait des beaux impacts, là rien du tout. Le pare-brise aussi est nickel. Pare-brise chauffant d'ailleurs. Donc voilà pour l'esthétique extérieure. On va checker pneus et jantes et freins. Alors on commence avec la roue avant droite. À savoir que la voiture va en révision chez Ford normalement semaine prochaine. Là les montées en 205, 40, 17 en Dunlop. Les pneus sont neufs. Ils sont à 7 mm. Donc un pneu neuf, neuf, c'est entre 8 et 10 en fonction du constructeur. Là, ils sont 7, hein, c'est quasi neuf. Au niveau des disques, on est bon. Au niveau des plaquettes, petite mise au point, on est large de large. Je pense même que c'est de la plaquette neuve à l'avant. Et on va checker le tour de jante, voir si, hop, une petite mise au point, ça sera plus sympa. Et je vois pas de défaut esthétique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit bout de scotch. Un petit bout de scotch ou de papier, je sais pas ce que c'est. Et sinon, la jante est nickel. On va checker les arrières. À l'arrière, donc pareil. On est
sur du Bridgestone Potenza, sur la même dimension, et pareil, on est sur du 7 mm, donc du quasi neuf. On va faire le tour esthétique de la jante et je ferai les freins de l'autre côté. C'est plus simple pour checker. Et un petit accroc. Voilà, pareil. On a un petit accroc sur le bord de jante. Et là aussi. Donc rien de grave. Mais il y en a un qui est quand même voyant, surtout. C'est celui-ci. À voir si j'ai pas la teinte pour faire une retouche, mais je suis pas sûr. Allez, on passe côté conducteur. Côté conducteur à l'arrière. Donc, on va commencer par le tour de jante. Et justement, après, je vais pouvoir voir les freins à l'arrière. Et cette jante-là, elle a rien. Au niveau du disque, on est quasi neuf. Au niveau des plaquettes, pareil, c'est du neuf ou quasi neuf. Donc à mon avis, quand on ira chez Ford, ce sera surtout vidange et filtre. On va checker encore la roue avant et on aura fait le tour. Et donc la roue avant. Côté conducteur, pneus et freins, c'est checké. On va surtout faire le tour de la jante. Ah, et je vois là, elle a fait une petite bordure, je pense. Donc là, on a frotté un peu sur le bord. Bon, c'est très discret et hyper léger. Mais c'est là quand même. Bon. La petite bordure. Et là, il y a un petit impact aussi. Juste là, ultra léger, mais pareil, c'est là aussi. À la preuve, j'encule un petit peu, on voit plus rien, on a l'impression qu'elle est neuve. Donc c'est vraiment les petits détails, mais c'est présent. Donc voilà. Allez, maintenant on va checker tout ce qui est intérieur et options. Et comme ça, on aura fait le tour de la voiture. Donc pour l'intérieur, on commence avec le panneau de porte côté passager. Bon, il est nickel, je vois rien de spécial. On va checker un petit coup le tableau de bord. On va faire ce côté du volant. Et le siège passager. Le siège passager, le petit récaro 6 mm tissu, 6 mm cuir, il est comme neuf. Les petits seuils de porte rétro-éclairés du pack perf, les petites lumières. Pack perf, notamment aussi la couleur des jantes hein, qui change à une normale. On va checker au niveau du coffre. Elle est vraiment très propre. Alors déjà normalement les seuils de porte lumineux, il y en a toujours un qui ne marche pas. Là ils fonctionnent tous. Et mon coffre 2 tiers 1 tiers. Banquette rabattable. Et enfin, le panneau de porte côté conducteur. Donc là, on a des petits légers impacts ici. Bagues, bracelets, choses comme ça en général. Voilà, des traces de chaussures. À voir si ça part. Le seuil de porte rétroéclairé qui fonctionne aussi. On va faire le volant de ce côté. Un petit check du tableau de bord. Et surtout le siège conducteur. Et au niveau du maintien, ils sont nickel. Donc on a vraiment un tout début d'usure par la ceinture, les jeans, ce genre de choses-là. Mais il est vraiment très très propre. Je rappelle que c'est une 2014 qui a 65 000 km. Et pareil, l'assise est bonne aussi. Les tissus sont propres, pas de trous,
Pas de cicatrice. Et la banquette arrière. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un peu de lumière? C'est pas énorme, mais ça aide un peu. Vraiment sympa. Et très propre. Et on va faire tout ce qui est option. On va faire le tour de la voiture et elle est hyper complète. Donc en termes d'options, mis à part que c'est un pack performance, rétro-rabattable électrique, keyless, donc il suffit d'appuyer sur le bouton pour ouvrir et fermer la voiture. Les simili cuir tissu, donc on l'a vu, rétroviseur rabattable électrique et réglable électrique. Et là, les feux auto, donc en position auto. Elle a le régulateur de vitesse. On va la démarrer. Il suffit d'appuyer ici. Elle a le Sony. La clim auto. Le pare-brise chauffant. Les sièges chauffants. Le GPS. Et en plus de ça, caméra. Et radar de recul. Donc elle a les deux. Ça c'est juste nickel. C'est assez rare. C'est la première que j'ai eu qui a autant d'équipement. Oh, on n'est pas loin du full. Donc là elle vient juste de passer les 65 000. Elle est vraiment super équipée avec les beaux petits Recaro gris. On va encore voir la signature lumineuse. Donc là, les feux autour sont allumés. Forcément, on est à l'intérieur. Elle croit qu'il fait nuit. Elle active tout. Et les feux arrière. Donc vraiment très, très, très sympa. N'hésitez pas du coup à checker dans la description. Il y a le lien de l'annonce qui vous dirige sur le Bon Coin, sur notre boutique où il y a toutes les autres voitures aussi. À mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours du bien. Parce qu'on prend quand même beaucoup de temps pour faire ça, même si c'est que du plaisir pour nous. Allez, à bientôt!